fait, je mets tout ce que je mets pas dans le CV, tout ce qu'on peut pas mettre dans le CV, donc sur le, dans le savoir-être et toutes ces choses-là. Puis certaines compétences, comme des compétences sociales. Moi, je reçois trop d'étudiants stéréotypés en entretien. Quand j'en vois un, deux, trois, quatre, quasiment les mêmes, avec les mêmes un peu les mêmes compétences, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Je préfère des fois avoir des personnes qui n'ont peut-être pas exactement la bonne compétence, peut-être pas exactement le bon diplôme, mais quelqu'un qui, lors de l'entretien, va montrer une vraie motivation, va être honnête, va me dire ses vraies qualités, ses vrais défauts, là où il doit progresser. Et là, vous allez faire la différence. La démarche de prendre contact après avoir envoyé sa candidature, c'est bien. Je pense que c'est sans doute mieux de le faire par téléphone ou d'envoyer un petit mail plutôt que de venir frapper à la porte, parce qu'effectivement, enfin, en termes de disponibilité, c'est pas facile. Et vous ne serez pas forcément accueilli dans les meilleures conditions parce que ça va être un entre-deux. Vous avez besoin d'aide pour réaliser votre CV ou votre lettre de motivation, rendez-vous sur le site de l'UB à la rubrique insertion professionnelle et vous avez des ateliers qui sont mis en place à différents moments de l'année, à différents temps dans la journée. Donc inscrivez-vous et participez à ces entretiens collectifs ou éventuellement rendez-vous sur le site de la plateforme pour des entretiens individuels.